je sais gérer un salon, mais gérer un compte Instagram, je ne sais pas faire ça. Een buitenmens en minder een computer of ja. gsm-mens. Moi, c'est Lisa. Je suis sur Instagram depuis un petit peu plus d'un an, quand j'ai lancé ma boutique. Mijn naam is Crystal. Ik maak eigenlijk voornamelijk content in samenwerking met verschillende merken. Alors, je m'appelle Célia. Sur les réseaux sociaux, on peut me trouver sous le nom de debruyckaert.celia. Ik ben Joyce. Goh, ik denk dat ik mijn eigen Instagram-account gestart ben zo'n 10 jaar geleden. Hallo. Hey. Bonjour. Bonjour Célia. Bonjour Rudy. Salut Lisa. Hallo. Hallo. Crystal, social media setter. Ik ben Jan. Stel voor dat we beginnen met een rondleiding in de winkel. Ja, keigoed. Ohne, dat komt eigenlijk van het Duits. Dus dat is eigenlijk het woord zonder. Omdat wij een verpakkingsvrije winkel zijn. Dus wij willen er eigenlijk alle producten aanbieden zonder verpakking. Donc, je te présente Nathalie, qui est mon épouse et qui Bonjour, gère Nathalie. Aussi. Bonjour Lisa. Bonjour. Enchantée. Moi, je m'occupe surtout de l'accueil des clients, les plannings, les coups de fil et tout ce qui est comptabilité. C'est encore plus beau que sur ton compte Instagram. Content de te rencontrer enfin dans mon barbershop. Uiteraard de woordspeling Be My Honey, ja. DE van België. Alle honing dat wij produceren komt van eigen bijenkasten. Okay. En die staan verspreid doorheen België. Die reizen mee met de verschillende drachten. Daarnaast nog andere bijproducten, bijenwas, propolis, stuifmeel, die dingen. Okay. En dan werken we nog met vooral honing dan voor andere producten te maken. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? C'est très simple, en fait tout commence ici. Le client va faire sa réservation en ligne. Et après, il va s'enregistrer sur la borne. Ensuite, il va recevoir un ticket avec un code pour entrer dans l'hôtel. Ik ben al redelijk actief op social media. Ik heb eigenlijk nooit een cursus gevolgd. Dus er zijn heel veel dingen dat ik eigenlijk gewoon doe uit mijn gevoel, vanuit mijn gevoel. Maar eigenlijk weet ik niet of ik dat wel goed doe. Of het juiste doet en zo, ja. J'ai 52 ans, je ne sais pas mon univers. Donc je crois que je n'ai pas les outils, je n'ai pas la manière. Je ne sais pas ce que je dois faire comme photo, comme vidéo. Si tu peux nous aider à créer une communauté, à booster vraiment notre visibilité, essayer de créer un dynamisme et un engouement autour de l'hôtel qui pourrait vraiment amener une valeur ajoutée à l'hôtel, ce serait vraiment top. Vaak een beetje awkward voor mensen die niet zo graag op social media zijn, maar dat helpt wel enorm om mensen het verhaal beter bij te brengen. Wel, ik heb natuurlijk ook al eens gekeken naar social media en persoonlijk zou ik u zelf eigenlijk nog meer naar voren brengen, dat ze echt zien van kijk, dat zei jij dat doet. Je pense que vraiment il y a tellement de belles choses ici dans ton salon qu'il y a vraiment moyen de photographier des petits détails, des petites expériences de vie de tous les jours ici dans ton salon. Merci. Et de communiquer là-dessus pour donner envie à encore plus de gens de venir ici, d'adopter un petit peu ce mode de vie parce que c'est un vrai mode de vie en réalité que tu proposes à tes clients et je pense que vraiment on peut travailler là-dessus. Ik denk als ik zo terugblik naar dat toertje dat je gegeven hebt in je winkeltje, dat jullie echt op mega veel verhalen zitten en dat we die echt op een toffe manier kunnen wegzetten op je Facebookpagina, maar ook op je Instagram-account. Ja. En ik denk gewoon dat we dat samen moeten gaan vastpakken, dat we een plan moeten gaan maken voor de komende 12 dagen, dat we dan gewoon even die takeover moeten gaan inplannen, hè, om ownen via in social nog meer in de kijker te zetten. Hè. Si je comprends bien, tu es un peu la babysitter des réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Ma social media sitter. Oui, c'est exactement ça. Donc je vais prendre en main pendant 12 jours les rênes du compte Instagram de l'hôtel. Et daarbij ga ik echt een beetje ja, doen hoe ik het zou doen. En achteraf kunnen ze kijken van hey, wat wil ik daarvan overnemen. Maar ik denk dat je sowieso wel dingen gaat bijleren. Un dernier petit détail. Ah, oui. Pour tout ça, il faut que tu me donnes tes mots de passe, tes accès, tout ce qu'il faut. Bon, allez, c'est d'accord, mais pour ça, il faut couper la caméra en coupe. Mijn social media sitter heeft een business wel goed geholpen mij echt zo tips en tricks te geven over wanneer posten, wat juist posten, hashtags, ook op verhalen bijvoorbeeld. Ik wist niet dat dat een impact had, dat dat iets deed. L'influenceuse va vraiment accélérer le succès d'une entreprise. Tout d'abord, elle va transmettre une méthodologie et des outils pour mieux travailler. Ensuite, on va pouvoir utiliser soi-même pour pouvoir, sur le long terme, booster l'activité de l'entreprise. On commence déjà à avoir plus de followers. Notre contenu est beaucoup plus engageant. Il y a beaucoup plus de gens qui like nos posts. On va continuer à publier des choses beaucoup plus intéressantes. Donc forcément, ça va continuer à avancer de mieux en mieux. Mais wat dat wel leuk is, is om te zien dat we hebben echt wel op aanraden van Joyce posts gemaakt waarin dat wij zelf meer in beeld komen, maar ook bijvoorbeeld onze leveranciers. Dan merk ik wel dat die posts dat die echt wel een groter bereik hebben.
hebben en dat we veel meer likes hebben dan andere posts die ik dan vroeger zou gemaakt hebben. Dus dat is wel heel fijn om te zien. C'est très important de faire appel à des personnes d'expérience qui vont permettre de booster la visibilité. Ik deed eigenlijk maar gewoon wat dat goed aanvoelde en ik ga dat zeker nog altijd doen. Maar het is wel fijn om nu zo ook meer kennis te hebben van hoe het eigenlijk echt werkt. De mensen die wat meer in mijn situatie zitten, dat wel Instagram, Facebook wel kennen, maar eigenlijk nog niet ten volle benutten of niet weten hoe het ten volle te benutten. Les réseaux sociaux tels que Instagram et Facebook sont des opportunités formidables pour avoir une pub gratuite. Proximus, think possible. Et alors, on va terminer ici la chambre numéro 18. D'accord. Alors, on peut maintenant aller dans la chambre numéro 3. Alors ici, on va passer à la chambre numéro 4. C'est celle-ci ? Exactement, celle-là.